Prends ton élan et saute. Vous aimeriez peut-être travailler dans un cirque? Pour une représentation ou deux, ce serait génial. Hein? Il paraît qu'il y en a un qui doit venir en ville. Il est arrivé. Ce matin, je les ai vus commencer à monter le chapiteau. Allez, tu viens, Otto. Allons voir ce que font les animaux du cirque. Oh, c'est franchement n'importe quoi. Oh, bonjour, mes amis. Et si vous voulez voir un véritable numéro de cirque, regardez-moi. Et voilà, qu'en pensez-vous? Je m'en suis plutôt bien sorti, non? Oh, yes. Souriez. Pour la photo. Merci. Eh bien, voici une bonne chose de faite. Oh, vous devriez peut-être songer à acheter un nouveau chapiteau. J'aimerais bien, mais je n'ai pas assez d'argent. Les dernières représentations ne nous ont presque rien rapporté. Ne vous en faites pas, patron, je vais la réparer, la toile. Je vais chercher une échelle et de quoi coudre. Je suis sûre qu'il va y arriver. En attendant, vous aurez un super article dans ma gazette. Merci, mademoiselle Caramba. Vos lecteurs ne seront pas déçus, promis. Alors, dans un premier temps, j'aimerais que vous me racontiez tout sur votre cirque. Ouah, t'entends ce que j'entends? Il se passe tout un tas de choses fabuleuses ici. Nos amis les animaux ne savent pas faire ça. Oh, quelle magnifique demoiselle éléphant. Bonjour. Vous aimeriez faire partie du cirque? Oh. Ça alors, c'est une fille. Eh oui, une fille. Waouh, c'est vraiment chouette ce que tu fais. J'ai toujours rêvé de faire la même chose. Je préférerais faire un numéro de fil de feriste. Mais on n'a pas de filet de sécurité. Je m'appelle Carmen, et vous? Je m'appelle Otto. Je vous présente Marouchka. Marouchka? Oh, c'est un bien joli prénom. Et je m'appelle Benjamin. Benjamin, qu'est-ce qu'elle a, ta trompe? Et pourquoi tu me dis ça? Otto, viens avec moi. On va bien s'amuser. Oh, c'est le comble du comble, mes amis. Le grand costaud est tombé amoureux. Ah, ça ne risque pas de m'arriver. Oh, Lola, je suis la gentille et jolie Lola. Lola, c'est le plus beau de tous les prénoms de la Terre. Maintenant, tu continues tout seul. Pas mal du tout. C'est rudement dur. Pour une première fois, tu t'es super bien débrouillé. Bravo. Très doué. Salut. Permettez-moi de vous présenter Monsieur Benjamin du zoo de Nouvelle-Ville et son ami Otto. Bonjour. J'adore les éléphants qui parlent. Vous me feriez un immense plaisir en acceptant d'être notre invité d'honneur ce soir. Toi aussi, Otto, ça va sans dire. Mais pas de problème, on sera là. Tant mieux. Il me tarde déjà d'être à ce soir. Allez, vous deux, en piste pour la répétition. Hop. À ce soir. Oui, à ce soir. Carmen est vraiment top géniale. En plus, elle connaît tout un tas de numéros extraordinaires.
Moi, j'adorerais manger du sucre en morceaux avec Maroushka. Monsieur Benjamin et Otto sont trop mignons sur leurs petits nuages roses. Vous devriez faire un numéro de cirque pour vos nouvelles petites amies. Tenez, une pyramide d'animaux, ce serait top. Je suis sûre que ça les impressionnerait. Oui! Mais si on rate notre numéro, on aura l'air malin. Si vous vous faites passer pour des clowns, tout le monde croira que ce qui est raté fait partie du numéro. Allez, à plus tard, aux autres. Bye bye! Oh, quel dommage que les corbeaux n'aient pas d'aussi belles plumes que les perroquets. Oh, elle a l'air de beaucoup te plaire. Première règle à respecter impérativement. Toujours avoir un plumage bien coiffé, c'est plus important que la couleur des plumes. Ce n'est pas grave, tu ne peux pas toutes les avoir. Aussi triste. Qu'est-ce que c'est que ça? Papa! Papa! Qu'est-ce qui t'arrive? Maroushka va mal. Oh non, j'arrive tout de suite. Ça ressemblera à ça. Donc, vous sautez la corde rose et vous atterrissez sur les épaules de votre camarade. Allez, allons-y. Mais c'est pas ça du tout. Je vous avais dit de sauter. Oh, ça va être galère. Mais ton numéro se présente bien. Ah, ils ne veulent pas sauter. C'est clair que je vais me ridiculiser. Essaie de les récompenser avec une délicieuse friandise. Merci beaucoup, monsieur le directeur. C'est une idée géniale. Toro. Papa, mais quel est son problème? C'est la première fois qu'elle a des taches rouges. Et elle doit nous couver de maladies graves. Toro. Je vais appeler le vétérinaire. Elle ne pourra pas faire son numéro dans cet état. L'ennui, c'est qu'on n'a plus de vedette pour débuter le spectacle. Si, donne-moi ma chance. Allez, venez chercher cette délicieuse fraise. Mais non, pas tous les trois ensemble. Regarde ce que j'ai trouvé. Ils ne peuvent le traverser qu'un seul à la fois. Bravo, excellente solution. Donne, je vais le leur tendre. Allez, allez, dépêchez-vous un peu. Hey, c'est mon idée, je te signale. Je l'adopte. Maintenant, on doit répéter. Je ne veux pas avoir l'air idiot devant Maroushka. Tu pousses le bouchon un peu loin. Fini la récréation, on reprend la répétition. Allez. Je vais avoir du mal à tenir en même temps la fraise et le cerceau. Otto! Otto! Très chère Carmen, Benjamin tient à faire la répétition tout seul parce qu'il a très envie d'impressionner Maroushka. Otto! J'aimerais tellement que tu m'apprennes à marcher sur un ballon. Mais je ne voulais pas te vexer. Bon, d'accord. Ça va, j'arrive. Oh, j'aimerais tellement que tu m'apprennes à marcher sur un ballon. Oh, je déteste ce genre de phrase idiote. Je préfère laisser les fleurs parler pour moi. La belle Lola va forcément me tomber dans les bras quand elle verra cette magnifique rose.
Tu mériterais que je te torde le cou. Ah, je n'arrive pas à tenir le cerceau et le panier de fraises en même temps. C'est beaucoup trop dur. Tu aurais mieux fait de m'écouter. Tant pis pour toi. Mais Otto, allez, sois gentil, aide-moi. On fera le numéro ensemble. Oui, et ce sera génial. D'accord. Toulou. Bravo. Et c'est un peu plus haut maintenant. Enfin, je vais devenir une vraie file de feriste. Ça va impressionner Otto. Otto? Oh, non, 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 non. Bien. Il faut que j'aille voir où en est le numéro de Monsieur Benjamin et de Otto. Oh, qu'est-ce que c'est que ça? Par exemple, une lettre qu'Otto a écrite à la jolie Carmen. Heureusement que Tati Carla adore jouer la messagère des lettres d'amour qu'on n'a pas expédiées. Ah! Oh! Attention, chérie. Oh! Ah! Je regrette. Pas de numéro de corde raide. C'est trop dangereux. Je ne veux pas courir le risque qu'il t'arrive quelque chose. S'il te plaît, papa. Oh, mon petit cœur. Bingo bongo, tu es mon dernier espoir. Il nous faut absolument une attraction pour commencer la représentation de ce soir. Eh ben, je pourrais peut-être plier un rail de chemin de fer et soulever un autre acteur d'une main. Très bien, très très bien. Je vais te chercher un rail. Entendu, patron. Pendant ce temps, je vais installer les guirlandes. Bienvenue à la répétition générale de notre grand numéro de cirque. Que le spectacle commence. Rocky, allez, hop. Oh. Bravo. Super, super chouette. Tout à l'heure, ta récompense. Ringo, allez, c'est à toi. Oh. Allez, Dusty, à toi. Et hop. Wow. Bravo. Wow, c'est incroyable. Bravo. C'est super extra-génial. C'est encore mieux que je ne l'avais imaginé. Merci beaucoup. Mademoiselle Caramba, vous pouvez quand même nous maquiller en clown. Et on ne sait jamais, au cas où. Quoi? Qu'est-ce que j'entends? Le grand costaud veut se déguiser en clown, lui aussi? Il n'a pas le droit, c'est mon idée! Oui. J'espère que j'y arriverai mieux une fois sous le chapiteau. Bon, j'ai fini. C'est parfait. Juste à temps, bravo. Attention, attention à toi. Ah, vous en faites pas, patron. Je vais l'empêcher de se déchirer entièrement. Mais la représentation va bientôt commencer. Qu'est-ce qu'on va bien pouvoir faire? Heureusement que je suis là pour leur sauver la mise. Voici Barnabé Ier, le seul clown au monde à faire des sauts périlleux et des cabrioles dans une représentation spéciale pour sa très chère Lola. Et hop. Ah, ça y est, je la fais rire. Je savais bien que j'étais drôle. Avancez, mesdames et messieurs. Merci, merci beaucoup. Waouh, c'est fabuleux. Salut, salut. Comment ça se présente? On a un monde fou grâce à votre article. Chic alors, c'est génial. C'est la catastrophe. Hein? Je n'ai pas mes vedettes, ni Marouchka, ni Bingo Bongo. Les gens vont vouloir être remboursés. Pas de panique, mon cher directeur. Monsieur Benjamin et Otto vont se faire un plaisir de vous aider avec leur super numéro d'animaux. Un numéro d'animaux? Les spectateurs adorent ça. Eh bien, allons-y.
Ne les faisons pas attendre plus longtemps. Pourquoi Marouchka n'est pas là? Qu'est-ce qu'elle a? Je n'en ai aucune idée, monsieur Benjamin. Le vétérinaire non plus n'a pas su me dire ce qu'elle avait. Mais maintenant que le spectacle commence... Bonne chance. Coucou. Coucou, petite Carmen. Oh, ne fais pas cette tête. Monsieur Benjamin et Otto ont la situation bien en main, ne t'inquiète pas. Et le numéro où tu marches sur le gros ballon a toujours du succès. Je sais, seulement je préférerais un numéro de corde raide. Mais papa me l'a interdit parce qu'on n'a pas de filet. Pas de filet? Si c'est uniquement pour cette raison, Tati Carla a trouvé une solution. Va vite te changer. Prépare-toi à faire de la corde raide. Vous êtes génial. Oh, attends, j'ai quelque chose pour toi. Hein? Merci beaucoup. Allô, allô? Je suis bien à la caserne des pompiers. C'est Carla Caramba à l'appareil. J'ai une mission très spéciale pour vous. Bonsoir mesdames, mesdemoiselles et messieurs, et bienvenue sous notre chapiteau. J'ai le grand honneur de vous présenter nos invités vedettes de Nouvaville. Monsieur Benjamin! Oh, qu'est-ce qu'il y a comme monde? Je ne vais jamais être à la hauteur. C'est complètement normal d'avoir le trac. Ça va très bien se passer. Allez-y, jetez-vous à l'eau. Oh, attention, c'est parti. Je suis sûr que ça va marcher. Et maintenant... Voici le numéro des fabuleux, des époustouflants Rocky, Ringo et Dusty. Allez Rocky, c'est à toi. Salut. Content de te voir. Allez, à toi, Dusty. Benjamin. Oh, oh, oh. Ah, ça y est, maintenant j'ai compris. Marouchka est amoureuse de Benjamin. Oui. Oh là là. Bravo. Bravo, monsieur Benjamin, c'était fabuleux. Bravo. Tu as été merveilleux. Oui, tu crois? Et maintenant, un numéro de corde raide de la jeune et jolie Carmen. Bonne chance. À tout à l'heure. Mon ami Otto avec la petite princesse du cirque. Trop mignon. Oh, merci, messieurs les pompiers, vous arrivez juste à temps. Pour vous servir, allez en piste, messieurs. Elle va pas faire ça. Bravo. Bonne chance, ma chérie. Stop. Bravo.
Attention, attends. Pour vous ce soir, mesdames et messieurs, un numéro spectaculaire que Carmen exécute pour la toute première fois. Alors encourageons-la. Comment? Ils ont commencé sans moi? Oh, mademoiselle Lola! Que pourrait bien m'apporter un public imbécile quand j'ai une fan plus belle que belle? À toi, Barnabé Ier! Le célèbre champion de l'esquive! Merci, j'ai apprécié votre aide. Accepteriez-vous d'être mon assistante, mademoiselle Lola? Vous avez été prodigieux, Bingo Bongo. Vous aurez droit à des remerciements et à une mention spéciale dans mon article. Oh non. C'est pas grave, la représentation est terminée. Avec la recette de ce soir, je vais pouvoir acheter un chapiteau tout neuf et un filet pour Carmen. Au fait, où est-elle? Elle est assise là-bas avec Otto. Oh. Mieux vaut ne pas les déranger. Mademoiselle Caramba va donner ça. On reprend la route demain. Quoi? Demain déjà? Mais on reviendra vous montrer le nouveau chapiteau et on s'entraînera à marcher sur le ballon. D'accord. Toulou. Je t'écrirai pour te dire quand on reviendra. Je t'écrirai moi aussi, promis juré. Tourou, Tourou. Oh, je suis sûr qu'on se reverra très bientôt. Tant mieux, parce qu'à peine parti, tu me manques déjà. Au revoir, revenez vite. Tourou. Au revoir. Oh, le grand costaud était vraiment forcé de nous arracher à nos jolis rêves. Lola! Hey! Lola m'a quitté! Jamais je ne pourrai l'oublier, je l'aimerai jusqu'à la fin de ma vie! Je ne pourrai pas être heureux sans elle, c'est terminé! Tu sais que tu es de plus en plus jolie, toi. Si tu n'as rien de prévu pour déjeuner, je t'invite chez moi. Je dois vous laisser. Salut!